De la houle stationnaire et du vent qui tourne ce midi sur la Canoë. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps ensoleillé dégagé, une température extérieure qui est relevée à 25 degrés, une température de l'eau qui est relevée à 17-18 degrés. Si vous regardez bien, les baigneurs, ils se jettent pas à l'eau en quatrième vitesse. La marée, elle est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à 14h50 avec des coefficients de 70. Et sur cette marée qui descend, le vent est passé onshore avec un secteur nord-ouest. Il est faible à modéré. Il y a un beau fort établi, des petites rafalades. Un plan d'eau ridé par-ci, clapot par-là, phase de vague assez lisse. Et une houle longue avec 10 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, multipique et stationnaire en taille. 40 cm en déferlement régulier, 50 cm sur les séries fréquentes, 70 cm sur les grossettes. C'est ce qu'il y a sur la plupart des spots, à part sur le spot de la centrale qui concentre toujours par moment. C'est vraiment aléatoire et c'est impressionnant, c'est plus gros qu'ailleurs, il y a 80 cm, des fois peut-être un peu plus. Mais bon, c'est juste à la centrale, alors que sur les zones au nord et au sud, il y a 50-70, pas plus. Donc des petites vagues molles, poussives, idéales à glissouiller pour les surfeurs les plus motivés. Tout le monde a passé la barre, les crevettes, les débutants. Les surfeurs les plus énervés, les plus petits gabarits, surfent en petite planche ou en planche adaptée. Sinon, les conditions sont idéales pour les débutants et les écoles qui ont quasiment toutes passé la barre. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train d'eau qui va rester stationnaire. La boue Arcachon en Gascogne tourne toujours dans les 1m10 et 6 secondes de période. Pour ce qui est du vent, ça va se dégrader avec la brise de nord qui va nous secouer les cheveux cet après-midi. Ce qui nous donne en prévision à 13h50-70 cm. Houle ouest-nord-ouest à nord-ouest avec 10 secondes de période, vent de nord-ouest à De Beaufort, des rafales à 3, et à 17h encore 50-70 cm, ou ouest-nord-ouest à nord-ouest, 10 secondes de période, vent de nord-nord-ouest 4 à Saint-Beaufort, ça va être carrément pourri Joe Brad cet après-midi, surfer avant cet après-midi, sans doute au changement de marée, le vent va commencer à se lever tout d'un coup, donc voilà. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions, sur le 08 92 29 78 73, à 14h, à 16h, à 18h, et la bonne journée, et merci.